J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon, j'espère quand même également que vous avez regardé autour de vous, hein, que vous êtes arrivés quand même. Nous sommes arrivés enfin à Prague. Vous êtes au centre, au cœur de l'Europe. Après 900 km de route, une traversée de l'Allemagne, puis les Sudètes, nous arrivons enfin à Prague, au cœur de la Bohème, la capitale de la jeune République tchèque, née en 1993. Nous pouvons enfin déguster un petit déjeuner de bienvenue au cœur du quartier appelé Malastrana. Cette ville chargée d'histoire est née il y a un peu plus de 1000 ans. Elle résulte en fait de la réunion de 5 petites villes très distinctes à l'origine. Le château et son quartier, Malastrana, la vieille ville, le quartier juif et la nouvelle ville. Aujourd'hui, l'agglomération pragoise compte environ 1 million d'habitants. Cette ville, marquée par l'histoire, reste également très ouverte à l'art contemporain. Entre le pendu, Venceslas sur son cheval renversé, ou la maison qui danse appelée Ginger et Fraise, que nous avons aperçue en arrivant ici. La place Venceslas, au cœur de la nouvelle ville, elle porte le nom du prince fondateur du château qui fut assassiné par son frère en 935. C'est sur cette place, tout en longueur, dominée par la statue de Venceslas et le musée national, que se déroula la révolution de velours en 1989. Des manifestations pacifiques qui provoquèrent la chute du communisme en Tchécoslovaquie, la mise en place d'un régime démocratique et l'élection à la présidence de l'écrivain Václav Havel. La tour poudrière, c'est l'unique vestige des anciennes fortifications édifiées au Moyen-Âge. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'elle devint une réserve de poudre. L'horloge astronomique et la tour de l'hôtel de ville sont également des lieux hautement touristiques à Prague. Cette tour du XIVe siècle, haute de 70 mètres, possède à ses pieds une horloge du XVIe siècle, où à chaque heure, les 12 apôtres apparaissent, alors que d'autres statues s'animent. Ces dernières symbolisent l'avarice, la vanité, la convoitise et la mort. Le pont Charles est le plus célèbre des ponts de Prague. Il enjambe de ses 500 mètres à la Ftanau Moldau. Construit au XIVe siècle, il fut pendant presque 400 ans l'unique pont reliant la vieille ville à Malastrana. Édifié au XIVe siècle, le pont Charles possède à ses extrémités deux magnifiques tours de style gothique. Centre des conflits religieux qui ravagea l'Europe à l'époque moderne, Prague vit la victoire du camp catholique sur les protestants. Pour marquer cette victoire et ancrer la ville dans le catholicisme, de nombreuses statues furent ajoutées au pont. Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, Saint Augustin et bien évidemment Saint Venceslas. Au cœur de la Malastrana, l'art contemporain a également sa place, comme vous pouvez le constater avec ces deux hommes qui urinent pour l'éternité. La Ftana, un affluent de l'Elbe, une rivière capricieuse qui provoqua de très nombreuses inondations, des crues centenaires, voire millénaires il y a quelques années, qui recouvrent principalement Malastrana et fragilisent les fondations de ces magnifiques bâtiments de ce vieux quartier pragois. Ah non, c'est trop loin. Allez.
forme, on appelle la croix, ça vous connaissez. Que l'on souhaite, ben oui, on durant ce long voyage de Prague à Cracovie, nous passons tout près du site d'Austerlitz, tout près de là où lieu le 2 décembre 1805 la fameuse bataille des trois empereurs, là où Napoléon Ier emporta une immense victoire sur les troupes austro-russes. Premier lieu de mémoire, la synagogue d'Odviezim. Aujourd'hui, c'est un musée consacré à la vie de ces milliers de juifs qui avaient fait de cette ville une cité prospère du sud de la Pologne entre les deux guerres. Des objets, des photos, la vie quotidienne de ces Polonais de confession juive qui furent les premiers à être emmenés au camp à quelques centaines de mètres de là. Rappelons-nous, septembre 1939, Hitler attaque la Pologne. Puis les Soviétiques l'envahissent également. Le pays est partagé entre les vainqueurs. 22 juin 1941, l'Allemagne nazie attaque leur allié soviétique et avance jusqu'aux portes de Moscou. Une grande partie de la Pologne est annexée. Les noms sont germanisés. Odviezim devient Auschwitz. Comme l'a dit si justement l'historienne polonaise Annette Wieniawska, il n'y a rien à voir à Auschwitz si on ne sait pas déjà ce qu'il y a à voir. Que le savoir dans ce type de lieu, c'est celui que l'on apporte avec soi. En 4 ans, dans cet espace de seulement 6 km carrés, moururent 1,2 million de personnes. Hommes, femmes et enfants, de toutes les nationalités, principalement des personnes de confession juive. Au total, on estime que sur 9 millions de juifs européens, 6 furent exterminés par la machine de guerre nazie. Auschwitz. Le camp de base est une ancienne caserne de l'armée polonaise que les SS ont transformée en prison
pour les Polonais. Des prisonniers politiques, des prisonniers de guerre, des résistants. Ce camp a contenu des milliers de personnes. Très rapidement, des Juifs y furent déportés. Maladies, privations, exécutions, travail forcé, expérience médicale. Un camp de concentration, en fait, un camp d'extermination indirecte. Auschwitz I possédait sa propre prison, où la Gestapo locale venait torturer et exécuter. C'est à Eus, le commandant du camp, que l'on demanda de coordonner, de mettre en place la solution finale du problème juif en Europe. Solution finale qui fut décidée à la conférence de Wannsee en janvier 1942. Il fit construire alors Birkenau, l'usine de mort, une ancienne gare de triage avec des voies ferrées venant de toutes les directions. Des dizaines de baraquements où se concentraient les déportés qui avaient échappé à l'élimination directe dès leur sortie des wagons à bestiaux. Sélection impitoyable qui éliminait dès leur descente les vieillards, les enfants, les malades. Seuls ceux que l'on estimait capables de travailler étaient épargnés. Parfois, tout un convoi allait directement à la mort. En quelques minutes, gazage et crémation. Ainsi, en juillet-août 1944, arrivèrent tous les Juifs hongrois. On estime que 10 à 12 000 personnes mouraient par jour et que la fumée des fours crématoires empêchait de distinguer le soleil. Les chambres à gaz et les fours crématoires de Birkenau furent détruits par les nazis. En effet, ils ne voulurent laisser aucune trace de la solution finale. Ainsi, quand les soviétiques libèrent le camp en janvier 1945, il n'y a plus aucune trace de ces méthodes industrielles pour donner la mort. Devant la menace de l'armée rouge qui avançait inexorablement, dès la fin 1944, les nazis obligèrent, à marche forcée, tous les déportés de se rendre vers les camps de concentration de l'Ouest pour continuer de soutenir l'effort de guerre. Ce sont les marches de la mort. Là aussi, des milliers de déportés moururent sur la route, d'épuisement ou par exécution sommaire. Eus, le commandant du camp, réussit à s'échapper. Il fut rattrapé en Bavière. Il fut jugé, puis exécuté. On le pendit à Auschwitz. Thank you.
Nous terminons notre séjour par la visite de la ville de Cracovie, la plus grande ville du sud de la Pologne. Cité également chargée d'histoire, qui, contrairement à Varsovie, fut totalement épargnée des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Ville dominée par la colline du Vavel et son magnifique château qui surplombe la Vistule. Ville dans laquelle se trouve l'une des plus anciennes universités d'Europe centrale, le Collegium Maius, où un certain Karol Wojtyla fit ses études, le futur pape Jean-Paul II. Comme à Prague, Cracovie avait son quartier juif. Les nazis les regroupèrent dans un ghetto, puis les envoyèrent au fur et à mesure vers Auschwitz. C'est à Cracovie que Spielberg situe l'action de son film, La Liste de Schindler. Ville dont le centre est dominé par l'immense place du marché, appelée Rynek, d'où l'on peut entendre chaque heure un trompettiste. Le trompettiste.